Donc, I suggest you listen now the last intervention of Sylvie Lardon and Maiwenn Chamerois about another thematic, another theme about les jardins, des objets intégrateurs pour les projets alimentaires territoriaux. Another form of resources of the territories, les jardins. Donc, Salma et Maiwenn, on vous écoute. Donc, on va parler effectivement des jardins comme objets spatiaux intégrateurs et des jardins comme lieu d'apprentissage collectif. Donc, on a travaillé sur ce sujet dans le cadre du projet alimentaire territorial du Grand Clermont et du PNR Livradois-Forez. Si vous voyez le petit schéma là, c'est quand même une spécificité de travailler sur un territoire qui articule l'urbain et le rural. Et c'était un de nos enjeux de voir comment est-ce qu'on pouvait coordonner des actions alimentaire autour de la qualité des produits, d'une agriculture rémunératrice, de respect de l'environnement. Et il s'est trouvé que dans les premiers travaux qu'on a fait au début du programme de recherche qui était en parallèle, c'est que quand on interrogeait les acteurs du territoire sur où est-ce qu'ils s'approvisionnaient pour l'alimentation, très souvent, la réponse revenait dans nos jardins. Et du coup, on s'est dit que vraiment les jardins pouvaient être justement un objet intéressant à étudier dans le cadre de la relocalisation de l'agriculture et de l'alimentation. Et donc, je ne sais pas si le. Ouais, du coup, passer la diapo suivante parce que moi j'ai pas la main là. Ok. Alors, du coup, je vais le faire en français pour que ce soit un peu plus rapide. Mais après, s'il y a des questions en anglais, il n'y a pas de problème. Du coup, moi, pendant mon stage, j'ai pu travailler et rencontrer des jardiniers. Étant donné que c'était pendant le confinement, on a établi un protocole photo avec Sylvie, auquel ont participé 4 jardiniers et jardinières qui faisait partie des jardiniers Pays d'Auvergne et du réseau de jardiniers de la régie de Billon. Ces protocoles plus d'entretiens qu'on a pu mener ont pu permettre une typologie et la construction de 4 types. Et dans un autre objectif, j'ai pu aller interroger les personnes qu'on a appelées ressources, qui travaillent dans des structures considérées comme accompagnatrices de jardiniers, cartographier les relations que les structures ont entre elles. Donc tout ça nous a permis d'avoir un inventaire de pistes d'action pour pouvoir avancer dans le groupe projet jardin. Donc voilà, et à gauche c'est la couverture de mon mémoire. Donc je vais vous parler rapidement du protocole photo. Donc là vous avez la vision d'une petite affiche qui présentait les différents suivis. En effet, le protocole photo se présente avec 7 suivis, dont le premier est obligatoire et les autres sont facultatifs. Donc, j'ai pris, avec Sylvie, on a pris comme exemple la plaquette de restitution d'une jardinière qui a fait le suivi 1, le suivi 2 et le suivi 6. Donc, on va les autres diapos, je ne vais pas les détailler plus que ça, c'est juste vous montrer les photos et l'évolution des jardins et du coup le rendu des plaquettes. Il faut savoir que pour chaque photo prise, avec Sylvie, on demandait un commentaire sur la photo de la part du jardinier. Donc n'essayez pas de lire les commentaires, je vais vous les résumer rapidement. Donc voilà, donc là on voit les 3 premières photos. Ce n'est pas les 3 premières photos, mais c'est les photos que j'ai sélectionnées qui montraient le plus de différence, puisqu'on demandait une photo toutes les semaines, pardon. Donc la jardinière me décrit à chaque fois ce qui change, ce qu'elle a fait, comme la tonte sur une courbe de niveau, etc. Donc là, on voit au 7 mai que les fleurs qu'on voit sur la courbe de niveau commencent vraiment à
à grossir, à grandir sur le 21 mai. Et ensuite, sur les autres photos, on voit que ça commence à faner. Puis finalement, le jardin redevient tout sec en juillet. Voilà, donc ça, c'était pour le premier suivi vue de jardin, donc Gardens View. Le second suivi, elle a choisi de suivre les tomates qu'elle a plantées dans la serre. Donc là, c'est encore plus marquant. On voit vraiment l'évolution des plantes. Et ça nous a permis du coup de suivre l'évolution d'un jardin sans pouvoir aller le visiter, puisque confinement. Et enfin, le dernier suivi, c'était sur le partage de sa récolte. Donc on vous a sélectionné que 4 photos pour vous montrer le partage de sa récolte, qui reprennent bien un peu tous les types de partage qu'elle avait effectué cette jardinière. Donc d'un côté, des plants qu'elle donnait, donc là c'est des plants de tomates, des salades, elle en donnait plein, des salades, des fruits ou des légumes déjà coupés, et enfin des fruits transformés donc en confiture. Donc on peut voir ici 4 types de partages différents. Donc lors de mes entretiens avec les jardiniers et durant les suivis qui montraient différentes choses, donc avec le don, là, on voit que c'est une fonction différente du jardin. J'ai pu remarquer que l'apprentissage autour et dans les jardins était quelque chose de très important pour les jardiniers. Très important, pourquoi? Parce qu'ils m'ont tous soit cité un réseau de jardiniers dans lequel ils ont appris des techniques de jardinage, soit l'origine de leur pratique du jardinage. Et très, très, très souvent, voire quasiment tout le temps, c'est une origine familiale, les grands-parents ou les parents qui jardinaient et qui ont transmis des gestes, des pratiques aux jardiniers que j'ai interrogés. Et donc, qu'est-ce que l'apprentissage? J'ai défini ça avec différentes définitions que j'ai pu lire et apprendre en moi. Enfin, je définis ça comme l'ensemble de processus de mémorisation qu'ont les individus pour élaborer ou modifier des savoirs ou, dans le cas des pratiques de jardinage, des savoir-faire. Donc, quels sont les processus que j'ai pu identifier dans les jardins? Différents supports comme les vidéos YouTube ou les lectures, les magazines qui permettent d'apprendre un peu plus sur des pratiques de la saisonnalité, des plants, l'expérimentation, avec des associations de plantes qui sont essayées dans certains jardins, qui certaines fois fonctionnent et d'autres non. Donc on tire expérience de ça pour reproduire ce qui a fonctionné et ne pas reproduire ce qui n'a pas fonctionné. Et du coup, le partage d'expérience dans les réseaux de jardiniers ou entre voisins de jardins. Donc j'ai aussi mis que c'était de l'entraide, puisque dans certains réseaux de jardiniers, il y a des visites dans les jardins et tous les jardiniers vont visiter le jardin d'un seul jardinier et vont essayer de voir avec lui ce qu'il pourrait faire pour améliorer son jardin, que ce soit pour le bien-être de ses plantes ou pour la production de ses plantes. Donc pourquoi je vous parle de l'apprentissage? Parce que c'est quelque chose qui est revenu très souvent et parce qu'avec les 4 types qu'on a figurés avec Sylvie et la régie de territoire, on pense que la réalisation de fiches types de jardin pourrait être une autre forme d'apprentissage et d'entraide entre les jardiniers. Alors, qu'est-ce que les fiches types? Ça pourrait être des fiches qui reprendraient pour chacun des 4 types et des choses que partagent plusieurs jardiniers. Je m'explique. Par exemple, dans les différents jardiniers que j'ai rencontrés, il y a deux types de jardins totalement différents. Un jardin autour de la maison où la production alimentaire, l'autoconsommation n'est pas très importante, mais est présente quand même, et où il y a d'autres sortes de choses qui y sont faites, comme le repos, du loisir, etc. Et un autre type de jardin, où les parcelles ne sont pas forcément à côté des maisons, et où il faut prendre un vélo ou une voiture pour y accéder, qui sont beaucoup plus grandes, et qui ont un but de productif un peu plus important que les parcelles des autres jardiniers autour des maisons. Donc la taille du jardin pourrait rentrer en compte dans les fiches types. Les cultures qui y sont faites, quelqu'un qui fait que des légumes ou quelqu'un qui fait aussi des céréales dans son jardin, c'est différentes manières d'envisager le jardin.
l'usage, donc comme je le disais, l'autoconsommation ou du coup l'autoconsommation combinée au loisir, combinée à l'esthétisme, combinée à plein d'autres fonctions, donc l'usage qui est fait du jardin et en dernier les pratiques de jardinage. Donc est-ce que je fais un jardin tiré au cordeau ou est-ce que finalement je fais un jardin un peu plus avec un sol vivant, avec des moments de jachère, etc. Donc finalement, les fiches types pourraient reprendre des cas types qu'on aurait identifiés et pour chaque cas type, on pourrait faire une fiche type de jardin qui pourrait être une aide pour des futurs jardiniers ou pour des jardiniers qui souhaiteraient changer de pratique. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Merci. Sylvie, donc, c'est toi qui fais celle-là ? Oui, oui. Donc, du coup, on voit bien que les jardins sont multifonctionnels et que c'est à la fois des espaces aménagés et appropriés dans lesquels on peut produire. Et c'était un peu là-dessus qu'on était parti au départ sur l'autonomie alimentaire qui était possible à partir des jardins. Mais on voit aussi qu'au travers des pratiques agricoles, on va pouvoir éventuellement développer des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Et surtout, ce qui nous a beaucoup frappé, c'est l'importance que les jardiniers apportaient aux pratiques de sociabilité, donc les dons, les échanges et les mises en réseau et cette dimension plus culturelle. Et donc, ces différentes pratiques et ces différentes fonctions que peuvent avoir les jardins, ça nous semblait être assez intéressant, justement, parce que ça implique tout le monde. Et donc, de voir comment les jardins pouvaient être des lieux d'apprentissage collectif. Donc, effectivement, on a travaillé ça avec la régie de territoire qui a elle-même une triple fonction qui est à cheval sur un territoire rural et urbain en périphérie de Clermont-Ferrand. Elle produit de l'agriculture biologique. C'est un lieu d'insertion professionnelle pour des gens en difficulté d'emploi et un lieu d'animation territoriale. Et au travers, par exemple, du lancement du réseau des jardiniers de la régie de territoire, on a pu s'articuler avec l'Association des jardiniers des Pays d'Auvergne ou une initiative du parc Livradois-Forez qui appuie les réseaux d'initiatives éco-citoyennes ou l'ADAPI qui travaille avec les personnes handicapées dans les établissements spécialisés. Et en fait, on voit que les réseaux font réseau de réseaux finalement et du coup qui nous permettent de consolider ces différents liens. Donc oui, tu peux passer à la diapo suivante. Et donc comme Maïwenn vous l'a dit, en fait il y a un groupe de travail un groupe projet qui travaille sur ces questions-là dans le projet alimentaire territorial du Grand Clermont et du PNR Livradois-Forez. Et on vous a montré un petit peu déjà les réseaux de relations et les interactions qu'il pouvait y avoir entre les différents acteurs. Et pour vous montrer aussi ce gradient urbain-rural, par exemple, l'acteur métropole est quand même encore très centré sur la métropole. On voit que le dessin du milieu, le parc, le dessin de droite, le parc Livradois-Forez peut faire vraiment le lien entre l'urbain et le rural. Et puis le réseau des jardiniers d'Auvergne, c'est aussi des types d'acteurs qui peuvent mettre en lien. Et donc, c'est un peu sur ces structures accompagnatrices des jardiniers qu'on s'appuie pour essayer de déployer un certain nombre d'actions qu'on a proposées dans le groupe projet. Donc, diapo suivante. Donc, voilà, au travers du travail à la fois avec les jardiniers d'une part et puis avec les structures accompagnatrices de jardiniers,
on s'est construit un peu une feuille de route. Et vraiment, les enjeux qui sont énoncés par les différents acteurs et les envies surtout, c'est bien la mise en réseau de ces différents acteurs, les échanges sur les variétés anciennes, sur comment est-ce qu'on peut les cuisiner, comment est-ce qu'on gère les sécheresses et, et la question des semences, etc. Et donc, l'autre point aussi, c'est l'importance que tout le monde a vu aussi de s'appuyer sur les travaux de recherche. Et donc, bon, par exemple, le stage que Maïwan a fait, ça contribue à faire avancer les connaissances et cet objectif d'essayer de mettre en place des lieux spécifiques comme par exemple la serre de la Régie ou d'autres territoires d'autres lieux sur le territoire comme des lieux où on va pouvoir faire se rencontrer les jardiniers, les maraîchers, voire les agriculteurs et tous les acteurs qui peuvent être concernés aussi par la transformation des produits. Et puis garder aussi un petit point sur la dimension sensibilisation du public, des consommateurs, et donc de s'appuyer sur les événements comme ceux qui sont mis en place dans le cadre de Clermont, capitale européenne de la culture, enfin candidate à la capitale européenne de la culture en 2028. Donc, juste pour finir, dernière diapo, on sait bien sur cette mise en œuvre de la feuille de route qu'on est en train de travailler au travers d'un nouveau projet, recherche de financement pour pouvoir à la fois consolider les réseaux qui existent, continuer à instruire les questions de recherche que ça pose, continuer à impliquer les étudiants sur un, et ce qu'on aimerait, c'est pouvoir faire aussi un réseau itinérant, c'est-à-dire de pouvoir aller voir d'autres territoires qui ont d'autres projets de ce type-là, et y compris à l'international. Bon, actuellement, on travaille beaucoup avec l'Argentine et le Brésil via d'autres perspectives, mais et aussi en Europe avec l'Italie et le Portugal actuellement. Et ça, s'il y a des personnes du réseau là qui sont intéressées, on serait tout à fait heureux de travailler avec vous sur ces sujets-là. Et juste le dernier point, effectivement, on essaye chaque fois de travailler chercheurs, acteurs et de produire au fur et à mesure qu'on produit des connaissances, de pouvoir les diffuser pour que les acteurs puissent s'approprier ces connaissances et puissent développer leur propre projet. Donc, si vous êtes intéressé, vous n'hésiterez pas à nous recontacter après le colloque. Merci. Merci beaucoup, Sylvie et Maïwan, y compris de l'invitation. je trouve que voilà, on est passé des routes littéraires au jardin, mais on voit bien les points communs en termes de réseau dans ces deux thématiques, et de réseau de réseau, comme tu l'as dit. Et je trouve que la thématique des jardins, des jardiniers, c'est tous ces aspects aussi qui se croisent, qui se combinent, y compris sur la dimension paysagère dans ces zones rurales, parfois périurbaines, qui sont tout à fait intéressantes. Et puis, tous les aspects de savoir, de dynamique apprenante. Le lien social aussi entre les anciens habitants des villages, les anciens jardiniers, puis les nouveaux habitants dans ces zones rurales. Il y a sûrement des liens à faire et les jardins peuvent être ces lieux de relation, de mise en relation.